Hey les gars, c'est Zolpinos, comment allez-vous? En tout cas, moi je vais super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur la map Prison Break en domination. Écoutez les gars, j'ai pas beaucoup de gameplay à vous proposer en ce moment. Je n'avais pas joué pendant 2-3 jours, donc du coup bah j'ai fait quelques parties mais sans succès. Donc du coup je vous propose un gameplay. C'était dans mes premières parties, je crois que je devais être niveau 20, entre 10 et 30. C'était un gameplay avec la bison que j'en ai déjà parlé sur ma KEM. Sur ma KM, sur ma Trémor. En tout cas les gars, je vous remercie car je vais atteindre presque les 50 abonnés. C'est pas grand chose mais c'est déjà bien. J'ai 10 j'aime, 0 j'aime pas, enfin bref, ça va, je commence à me faire. Il y a quelques personnes qui commencent à me suivre et ça commence à être sympa. Alors je vais vous parler, bah, j'ai pas énormément de choses à vous dire puisque j'ai pas préparé de sujet et je pensais pouvoir vous faire la World First KEM sur le mode de jeu traqué, mais depuis hier soir je suis dessus et il n'y avait pas moyen. Et pas moyen, je suis mort tout le temps vers 19, 15, etc. Donc je pense que je vais vous la sortir dans les prochains jours. Au début de la vidéo, vous allez voir, enfin vers le début, les premières minutes de vidéo, vous allez voir, je vais avoir les 5 coups de lag, donc c'est ma console, hein, comment ça rend de l'âme. Je vais faire 57 kills, je crois, et je suis mort 6 ou 7 fois. Enfin, c'est un bon gameplay, vous allez voir. Alors, je vais vous parler d'une chose en fait, c'est maintenant que Call of Duty Ghost, je l'ai assez saigné. Je vais arriver sur mon Prestige 2, etc. Enfin, voilà, il y a. Je pense que maintenant je peux vous donner mon ressenti à chaud. Call of Duty Ghost est une pré-bêta. Pour moi, le jeu est. Enfin, le jeu est bien. Hein. Le jeu est bien, y a rien à dire. Mais. Il y a deux styles de personnes en fait. Il y a deux styles de personnes. Il y a des gens en fait qui sont contents, ils veulent du nouveau, etc. Mais un coup qu'ils sont arrivés sur le jeu et qu'ils ont du nouveau, ils sont pas contents parce que si ça va pas, etc. etc. Et il y a une deuxième style de personnes où ils veulent que tout soit refait à neuf, etc. Des nouvelles armes et tout, mais en fait au final ils sont jamais contents et c'est les premiers à critiquer le jeu. Et je trouve que ces personnes-là, bah, ils sont super bêtes, surtout c'est immoral en fait, c'est surtout juger un jeu, genre le mec dans l'espace commentaire qu'on peut retrouver sur YouTube en ce moment, c'est... Ouais, j'ai testé Ghost, je l'ai revendu une demi-heure après, machin, Enfin bref, c'est mes clans, je suis sûr qu'en fait ils sont en train de jouer au jeu et tout simplement, voilà, c'est tout, ils ont pas revendu le jeu, c'est juste pour faire genre les mecs qui trouvent le jeu pourri, mais en fait ils y jouent toute la journée ou toute la soirée, enfin bref. Donc, maintenant on va arriver sur la période là, de la dernière semaine. On passe à la série de 9. On va arriver à la série de 10 maintenant, on va passer sur... comment dire, sur le passage de la dernière semaine avant la Xbox One. Donc moi ma console je la revends mardi, donc du coup il va y avoir quelques jours ouais, je vais pas pouvoir faire de gameplay je pense dans les jours à venir. Je pense que une petite semaine, du temps que je mette tout en place, faire toutes les mises à jour sur la Xbox One, voilà, parce que mise à jour, moi ma connexion, enfin elle est bien mais elle est pourrie aussi également. C'est à dire que mon download il est bien, y a rien à dire, mais pff, après tout ce qui est en termes pour jouer, si elle est bien aussi, mais je rame énormément, surtout quand il pleut. J'habite sur Paris, vous allez me dire oui mais sur Paris hein, tu dois avoir une bonne connexion et tout, ce qui n'est absolument, enfin si c'est le cas, mais voilà, c'est pas la connexion que j'aurais voulu, c'est une connexion que j'aurais voulu proche de la fibre optique, enfin bref. Battlefield 4 arrive, il va y avoir du gameplay, je pense que je vais lâcher Ghost pendant un bon moment, ça c'est clair. Ghost c'est simple, je pense je dois avoir un ratio, je dois avoir 1,70 de ratio, sachant que mes parties je les rage quitte super souvent parce que les mecs, en fait les mecs, du fait que la vie elle est petite, là la vie elle est réduite, enfin là oui la vie est réduite, donc du coup les mecs ils se mettent souvent dans les corners, ils bougent pas. Ils attendent que l'ennemi passe parce qu'ils savent très bien. Soit ils ont une connexion pourrie, donc du coup, bon bah, ils osent pas venir aller au corps à corps directement. Sachant que Call of Duty Ghost, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, sur ma vidéo KEM, maintenant c'est ça se joue au son, c'est tu mets 2 balles, tu meurs, etc. Et ça, j'en ai pris vachement conscience en fait. Mon style de jeu change complètement. Au passage, je remercie PlayGeek TV de m'avoir upload sur leur chaîne. Grâce à eux, j'ai pu avoir un petit peu plus de subs. Voilà, c'est super sympa. La vidéo, j'ai vu, il y a eu 50 likes pour 5 ou 6 dislikes. Enfin, les 5 ou 6 dislikes, c'est du genre, ouais, il n'y a pas de mérite, machin, il est resté dans le bâtiment. Soit
Je sais, je suis resté dans le bâtiment, etc. Mais je suis pas resté immobile, loin de là, je suis pas resté immobile. J'ai rushé à ma manière, enfin dans un bâtiment. J'ai adapté mon style de jeu par rapport à Call of Duty Ghost. Et là, vous allez voir, regardez, le chien il va monter. Et là, coucou, tu veux voir ma bite? Non, je déconne. Là, c'était un joli what the fuck. Donc là, je redébloque un hélico, je suis encore en série 10. Si je n'aurais pas été mort juste enfin avant, j'aurais été en série de 20 et j'aurais peut-être pu faire une KVM. Mais finalement, je l'ai pas fait. C'est tout simplement des kills à l'arme et un peu au streak. Maintenant, je vais vous parler maintenant d'une chose que j'ai pu voir en fait au niveau des atouts spécialistes. C'est que les atouts spécialistes, en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'atouts qui servent strictement à rien. Les atouts 1, enfin si pour le début, ok, peut-être pour le début, etc. Ça peut servir à quelque chose. Mais moi, je trouve qu'il y a des séries qui servent strictement à rien. C'est vraiment, je sais pas, il y a, comment ça s'appelle, reconnaissance. C'est vous faites un kill, comment dire, vous faites un kill et puis l'autre il est proche de votre radar, etc. Enfin bref, ça je l'ai jamais vu, je l'ai essayé, je l'ai jamais vu sur ma carte. Un atout qui sert à rien aussi, c'est genre recharger tout en, enfin tu recharges et tu cours en même temps. Pour moi, c'est ça aussi parce que, admettons, regardez, vous rechargez, vous courez en même temps, vous avez un ennemi devant vous, vous ne pouvez même pas faire un à-coup de joystick vers l'avant pour que le rechargement s'arrête. Non, justement, le truc il continue, donc du coup, vous êtes baisé devant le mec, vous faites défoncer quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelques atouts qui servent à rien. Au lieu de mettre des atouts, on va dire, de merde entre guillemets, comme ça, ils auraient pu nous mettre des scores stricts d'assaut. Beaucoup mieux, franchement, le drone inutile, alors inutile dans ce jeu, mais complètement. Je sais même pas à quoi il sert le drone, franchement. Si il surveille une zone, ok, la zone, voilà quoi, c'est sans plus. C'est voilà, c'est je sais même pas, tu vois. Là, il y a le camion gris, bah entre le camion gris et là où je suis actuellement, ça doit faire cette zone là et pas plus. Aussi, un killstreak que je trouve un petit peu abusé, je dis pas qu'il est cheaté, mais il est un petit peu abusé. C'est le chien. Le chien, c'est. J'y joue actuellement, mais. Parce que c'était mes débuts, mais. Je sais pas si vous avez fait attention. Mais. Genre, quand vous commencez à tirer sur le chien, admettons, même s'il est assez loin de vous. Même s'il est assez loin de vous, le chien, il va s'arrêter. Prendre de l'élan. Et là, c'est limite si le chien il fait pas strat jump sur vous, il vous bouffe, quoi. Il n'y a pas moyen, vous avez beau tirer dessus, le chien en plus il encaisse les balles, c'est impressionnant. Là j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de dans ces fails. Là encore une série de 10, donc là j'aurais pu être à tranquille si j'aurais pas été mort. Donc là j'aurais pu lancer ma KVM sans aucune difficulté. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été contacté par une petite chaîne YouTube où ils font des exploits un peu comme la rage. Franchement. Si peut-être ils vont me proposer de rentrer dans leur team et faire un peu comme le système de la rage, faire des world first sur certaines maps, sur certains modes de jeu, des KEM de jamais vu, des fast KEM, des KEM super rapides, voilà, des choses comme ça, etc. Je vais lancer une série qui sera en fait c'est une KEM toutes les semaines. On va déjà que j'ai du mal à faire ma KM dans le mode de jeu que je veux. Enfin, mode de jeu que je veux, c'est. Si pour les gens qui connaissent pas le mode traqué, c'est un mode de jeu en fait où au début vous commencez avec un petit flingue. Un petit flingue et en fait vous devez. Comment dire? Vous devez choper le colis stratégique, donc qui est ressemblant au mode de jeu de MW3 qui est zone de largage. Où vous pouvez ramasser. Sauf que là c'était des killstreaks, c'était pas des armes. Voilà, vous pouvez voir qu'aussi mon hélico fait. À mort, à mort, à mort de frag. C'est justement c'est grâce à ça aussi que j'ai pu faire un score aussi élevé. On va dire que. Oula, ouais, voilà, j'avais plus de balles. Série de 20 éliminations, mais ouais, vous devez vous douter aussi que les séries d'élimination avec les. Comment dire? Avec les armes d'assaut, etc., ne comptent absolument pas pour la KEM. Enfin, voilà, on va arriver. Tout doucement à la fin du gameplay. J'espère en tout cas que ce gameplay vous aura plu et puis vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont sortir. Je vais essayer de vous sortir, de faire la KEM pour le lundi. Je vais essayer de faire une KEM rapidement, de vous la commenter,
de vous la commenter, de vous l'uploader et sûrement l'envoyer à une chaîne communautaire puisque comme je l'ai dit, c'est une KM qui a été encore jamais vue sur YouTube. J'ai recherché, je l'ai pas vue, donc du coup je pense que ça pourrait passer facilement sur une chaîne comme Code QG ou Code CF. J'ai remarqué que je n'ai toujours pas été upload sur une des chaînes sur Code QG ou Code CF pour ma mêlée générale 30-0. Alors qu'il y a un mec qui a été upload pour sa mêlée générale 30-0 sur la map Prison Break sur PC. Moi déjà que il y en a qui ont trouvé que je bougeais pas beaucoup, mais alors lui il était carrément toute la game derrière derrière son rocher. Alors je trouvais ça pas trop sympa, sachant que ma chaîne aurait pu donner un bon coup de pouce à ma chaîne. Et puis voilà quoi. Donc mon score 52-7, on va arriver, voilà, ça va être terminé, le gameplay va se terminer gentiment. En tout cas j'espère qu'il vous aura vachement plu. Moi perso j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ce gameplay. J'espère en tout cas que vous aussi. Donnez-moi un peu vos ressentis au niveau de l'espace commentaire, même si ça a changé. J'ai trouvé le moyen de vous répondre avec le système de Google+. J'espère que je n'ai pas radoté trop sur ce gameplay. J'espère que j'étais le plus compréhensif possible. Donc voilà les gars, c'était Zoalpinos, j'espère que ce gameplay vous aura plu, on se retrouve pour de plus en plus de vidéos, à lundi les gars, allez peace.